Pour ta première saison au niveau professionnel, tu as davantage joué avec des espoirs. Comment l'as-tu vécu? Pas comme une déception parce que je ne m'attendais pas à jouer beaucoup dès la première année. Donc à partir de ce moment, c'est vrai que je préférais être tout le week-end avec l'équipe, mais quand on prend conscience que c'est pas le cas dans la réalité, je pense qu'il n'y a pas de grosse déception. Puis les espoirs, j'ai la majorité de mes amis avec qui je joue depuis 5 ans ici, donc c'est pas un fardeau de descendre. Tu as été titulaire à Toulouse pour le match contre Montauban, tu as marqué le seul et c'est la rencontre. Comment l'as-tu ressenti? J'étais content parce que ça finit par une victoire. Alors qu'on a été beaucoup critiqué, par contre, on a seulement un 4. Avec Jé qui n'est pas content sur tout ça, ça a pas mal balancé dans la presse. Donc, le coup qui jouait à vainqueur de montrer que Toulouse n'était pas que les Vincent Clerc. Oui. Mais c'est vrai que c'était difficile. Après, bon, l'essai, je suis content, mais bon, c'est plus le fruit de travail collectif que personnel. Après, pour le déplacement à Brive, le retour des internationaux a-t-il, selon toi, influencé le choix de Guy Novès de te mettre sur le banc des remplaçants? Oui, bien sûr, dans l'effectif type du Stade Toulousain, c'est vrai que les internationaux sont en place. Maintenant, ça bouge beaucoup. Là, j'ai eu encore la chance qu'il y ait quelques blessés pour faire partie du groupe. Bon, après, je ne suis pas rentré, mais bon, c'est le contexte des matchs qui fait que voilà. Mais moi, comme je t'ai dit au début, comme je suis avec le groupe pro, je profite un maximum. Et puis, que je joue ou que je ne joue pas, c'est sûr que c'est mieux si je joue. Mais... Je profite d'être à leur côté et d'apprendre. Tu as un mot à dire sur ce match? Le match de Brive? Oui. Il faisait froid. Ouais. Sur le terrain, après, Brive a été plus opportuniste que nous, avec un grand Nico Jean-Jean en forme. Donc, ouais. C'est un plaisir pour lui. Le top 14 laisse place à la HCAP pour 15 jours. Comment vous le ressentez? Comment vous y préparez? On aborde les matchs les uns après les autres. Donc, c'est vraiment à partir de la fin de Brive qu'on s'est mis dans la tête le déplacement à Cardiff. C'est vrai que les journaux et les supporters y pensent beaucoup plus peut-être avant. Comme c'est le gros événement, c'est sûr que c'est plus intéressant un match à Cardiff en Coupe d'Europe qu'un match à Brive en championnat. Mais nous, en tant que joueurs, on aborde les matchs les uns après les autres. Donc, d'abord les matchs en championnat, quand on est en Coupe d'Europe, on se prépare. Et pour finir, avec quel joueur as-tu le plus d'affinité et celui qui t'a le plus aidé à t'intégrer au sein du groupe? C'est difficile à choisir, ils sont tous très sympas. Après, il y a une amalgame entre les plus anciens, les nouveaux, les plus jeunes, comme moi, même la vie, tout ça. Mais ceux qui m'ont beaucoup aidé, c'est ceux qui sont passés aussi jeunes comme moi. Les Fanny Charette, Martin Lézard, Victor Lambolet aussi, qui a commencé très jeune, Jean Boulou à l'époque qui était très jeune, et qui savent un petit peu comment en parler aux jeunes pour qu'ils se sentent bien dans le groupe. Mais sur ce point-là, il n'y a pas de souci. Déjà l'an dernier, quand j'ai eu l'occasion de faire quelques matchs avec l'équipe 1, ça s'est super bien passé au niveau du groupe.